Nouvelles de dernière minute. Les deux plus terribles prophètes du Seigneur frappent à nouveau la terre. Avec une plaie mortelle, coronavirus. Terrible prophétie du 1er décembre 2015 accomplie de manière effrayante. Il y aura une grande angoisse qui arrive en Asie, une grande maladie, une angoisse de maladie arrive. Le Seigneur m'a amené dans un hôpital et il y a une grande angoisse là-bas. J'ai vu plusieurs personnes courir dans les hôpitaux. J'ai vu le manque d'équipement. Il n'y a pas d'équipement, ils courent de partout. Plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. Et j'ai vu plusieurs personnes courir dans les hôpitaux. Il y a une procédure qui est faite sur quelqu'un. Il y a des tests. Quelqu'un m'a parlé. Il m'a fait parler avec un des médecins qui m'a dit, nous n'avons pas d'équipement. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons ceci, nous le mettons là-bas et nous faisons une culture. Donc, il y a une grande angoisse qui arrive en Asie. Une grande maladie, angoisse de maladie arrive, une urgence sanitaire en Asie. Et arrive janvier 2020, cette effroyable prophétie a été terriblement accomplie. Lorsque tous les journaux télévisés internationaux ont commencé à reporter nouvelles de dernière minute d'une éruption sans précédent du mortel coronavirus. Épidémie du coronavirus. Le gouvernement chinois est en train de lutter avec la plus grande crise sanitaire au pire moment de l'année. Avec une interdiction de voyager pour au moins 7 villes principales, le gouvernement a suspendu le transport public, les vols annulés et les trains à l'arrêt. Avec environ 20 millions de personnes qui ne peuvent pas voyager. Nous continuons à suivre l'évolution du mystérieux coronavirus ce soir. Le nombre de cas confirmés en Chine ne cesse d'augmenter depuis une semaine dans la plus grande mise en quarantaine de l'histoire. Et un autre cas suspect a été identifié ici au Canada. Un homme de la Colombie-Britannique de 40 ans qui va régulièrement en Chine pour travailler attend les résultats des analyses. Il y a deux cas confirmés de coronavirus à Ontario. Un homme et une femme, tous deux d'une cinquantaine d'années, sont rentrés récemment de Wuhan au centre de l'épidémie. Le virus se répand maintenant au Japon, en Allemagne. Dans les deux cas, les autorités font savoir que le nombre de personnes contaminées ne sont pas rendues en Chine, mais était en contact avec une personne qui l'était. Le ministère de la Santé de l'Allemagne fait savoir que 4 personnes étaient contaminées après avoir participé à une formation avec une collègue qui venait de Shanghai. Environ 40 personnes ont été en contact avec cette femme. En Chine, il y a au moins 6000 cas confirmés et au moins 132 personnes sont mortes, dans la majeure partie à Wuhan. Ce soir, l'autorité de transport aérien a étendu l'alerte de voyage à tous les Américains d'éviter les voyages inutiles en Chine. Et pas seulement à l'épicentre de l'épidémie. Un officiel administratif a fait savoir que la Maison-Blanche considère d'autres restrictions de voyage. Ce soir, les Américains font tout bout partie de Wuhan en Chine avec des vols charter organisés par le gouvernement d'État. Aujourd'hui, le secrétaire des services de santé a fait savoir que toutes les options sont sur la table. C'est une menace très sérieuse de santé publique. C'est une condition qui s'accroît rapidement, une situation qui change continuellement. Les autorités ont maintenant étendu le contrôle des aéroports de 5 à 20 aux États-Unis, alors que le coronavirus croît rapidement en Chine. Les autorités confirment plus de 100 morts et plus de 4500 cas qui représentent environ 60% depuis hier. Le coronavirus continue de se répandre. Les autorités font savoir que l'épidémie pourrait atteindre le sommet en 10 jours. Il y a 132 morts, environ 6000 cas et 16 pays outre la Chine ont des cas confirmés. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le nombre de cas a explosé les semaines précédentes. Et la ville de Wuhan continue d'être le centre de l'épidémie. Les autorités disent aux résidents de ne pas voyager. Et voici la condition dans laquelle certains résidents se trouvent complètement désertes. Les routes, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas seulement été dit de ne pas quitter la ville, mais aussi de ne pas sortir de leur maison.
La Chine recommande à ses citoyens de ne pas voyager à l'étranger alors qu'elle lutte pour contenir le virus qui a déjà tué plus de 100 personnes. Le nombre de cas confirmés est de 4 500. Plusieurs pays, incluant la France, le Japon, la Corée du Sud et le Maroc, ont fait savoir que leurs ressortissants seront évacués. La Russie aussi a fermé une grande partie de sa frontière avec la Chine par peur de l'expansion du virus. Hong Kong a prédisposé des mesures qui incluent des restrictions sur les trains à grande vitesse et les ferries. Nous n'avons jamais vu une mesure de quarantaine comme celle-ci. Les autorités sanitaires à Wuhan ont ordonné aux travailleurs de mettre en place des mesures urgentes et entrer dans un état de guerre. Mettre en place des mesures en temps de guerre pour contenir l'expansion de l'épidémie. Les maisons doivent être séparées, les voisins sous surveillance. L'épidémie du coronavirus est devenue la plus grande et plus complexe jamais vue alors que la plaie continue à se répandre rapidement dans le reste du monde. Épidémie du mortel coronavirus. Coronavirus se répand dans toutes les régions de la Chine. Le Royaume-Uni confirme les premiers cas de coronavirus alors qu'il se répand de manière globale. C'est une crise sanitaire internationale. L'Australie a confirmé 9 cas du mortel coronavirus. Contenir le nouveau coronavirus pourrait ne pas être faisable, disent les experts. Les experts mettent en garde que le virus se répandra globalement. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis en alerte les alertes de voyage concernant les citoyens afin d'éviter les voyages non nécessaires dans les principales villes de la Chine. Et plusieurs compagnies aériennes annulent leurs vols pour la Chine. Le Canada n'est pas étendu d'alerte de voyage et continue à conseiller des personnes à éviter la région de Wuhan et la province de Hubei. Dans les dernières heures, l'Angleterre a changé son alerte de voyage déconseillant à tout voyage non nécessaire pour les villes principales de la Chine comme résultat du nouveau coronavirus. Le nombre de morts est arrivé à plus de 100. Le Japon et l'Allemagne ont découvert des cas du virus chez des personnes qui ne sont pas rendues à Wuhan, la première ville où est apparu initialement. L'Allemagne a enregistré un patient qui n'a jamais été en Chine, mais est entré en contact avec un collègue de visite de Shanghai. Elle a été contaminée par ses parents qui sont rentrés d'une ville proche de Wuhan, de l'épicentre de l'épidémie. Il y a maintenant une nouvelle alerte du département d'État américain qui exhorte les Américains à reconsidérer les voyages pour la Chine alors que cette urgence croît. Et d'autres pays confinent de nouveaux cas, faisant augmenter le niveau de crainte dans le virus mortel. Le monde est à la limite alors que le nouveau coronavirus traverse les frontières. Et les gouvernements prennent des mesures sévères pour protéger leurs citoyens. Au moins 17 personnes outre la Chine ont des cas confirmés. L'épidémie se répand rapidement dans le monde. Les chercheurs de l'hôpital et les États-Unis représentent sur une carte l'expansion du coronavirus. Les points oranges ici montrent les zones en Chine où les cas ont été confirmés. La majeure partie se trouve dans la province de Hubei où le premier cas a été enregistré. Des millions de personnes en Chine maintenant font face à des restrictions de voyage dans le monde entier. Il y a plus de cas confirmés dans plusieurs pays. Le virus a été enregistré maintenant dans toutes les provinces de la Chine. Environ 8500 cas de contamination. 16 cas sont hors de la Chine, incluant les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et Singapour. La majeure partie des victimes est à Wuhan, la ville où le virus a fait son apparition il y a 6 semaines. Les deux buteries prophètes du Seigneur ont littéralement ordonné l'arrivée du mortel coronavirus. Lorsqu'ils ont parlé d'une urgence sanitaire. Il y aura une grande angoisse qui arrive en Asie. Une urgence sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé déclare le coronavirus comme une urgence sanitaire internationale le 31 janvier 2020. Nouvelle mise à jour sur l'expansion du mortel coronavirus. Il y a peu de temps, l'OMS a déclaré que l'épidémie du coronavirus est une urgence sanitaire publique internationale. Le directeur général de l'OMS explique pourquoi il a fait cette déclaration.
Le motif principal de la déclaration n'est pas lié à ce qui se passe en Chine, mais à cause de ce qui se passe dans d'autres pays. Notre préoccupation majeure est le potentiel du virus à se répandre dans des pays avec des faibles systèmes de santé, qui n'ont pas une préparation appropriée pour la gérer. Maintenant, le virus se répand principalement en Chine avec plus de 8 000 cas confirmés. Au moins 170 personnes sont mortes, mais il était répandu dans plusieurs pays dans le monde. Vendredi dernier, il n'y avait que 941 cas confirmés de manière globale. Et juste une semaine après, le nombre a augmenté de 9 fois et continue d'augmenter. Le Centre pour la prévention des maladies a à peine confirmé le cas de la contamination d'homme à homme ici aux États-Unis. Commençons avec ce nouveau cas, le premier cas homme à homme du coronavirus. L'OMS a déclaré ce soir une épidémie et une urgence sanitaire globale. Après de nouveaux cas en seulement une semaine, les autorités sanitaires prennent cela très au sérieux. Un navire de croisière a été mis en quarantaine dans un port italien. 7000 passagers sont à bord dans l'attente de savoir si le passager malade de la Chine a le coronavirus. Hors de la Chine, il y a maintenant 98 cas confirmés de personnes malades de cette maladie. L'épidémie du coronavirus qui a tué des centaines de personnes jusqu'à et contaminé des milliers à travers la Chine principalement s'est maintenant répandue partout dans le pays, 31 provinces. Les scientifiques ont confirmé qu'il s'agit d'un nouveau type de virus qui n'a pas existé précédemment. C'est une épidémie de maladie qui a commencé à Wuhan, une des villes de la Chine. Les symptômes de maladie sont si banals. Toux sèche, fièvre, problème de respiration. Cela semble léger pour beaucoup de personnes. Nous sommes au courant des cas très sévères où les personnes ont développé la pneumonie. Et ces personnes sont arrivées à l'hôpital et certaines d'entre elles sont mortes. Des 6 000 cas confirmés le 29 janvier, la majeure partie était dans la province de Hubei. L'épidémie coronavirus. Voici ce qui se passe véritablement à Wuhan en Chine. Plusieurs personnes sont contaminées par minute et tombent inconsciemment à cause du virus. Même les médecins et infirmières sont pris de panique. J'ai travaillé toute la journée et j'ai à peine terminé. J'ai fini à 4 heures. Je n'arrive plus à continuer. La sensation de désespération. Sur le terrain, c'est plus effrayant que ce qu'ils vont voir à la télé. C'est pire. Les médecins estiment qu'il y a plus de 100 000 personnes contaminées. Nous avons 10 infirmières qui voient plus de 100 patients par jour. Plusieurs d'entre elles sont près de mourir. Le gouvernement nous a demandé de les soigner, mais nous n'avons rien. Nous ne pouvons plus accepter d'autres patients. Nous ne pouvons plus faire cela. Après une journée de travail, nous sommes très épuisés. Je ne peux plus continuer. Il n'y a rien que nous puissions faire. Nous regardons seulement les personnes. Tu dois te protéger. Les hôpitaux sont débordés de patients. Les corps des personnes sont à même le sol. Wuhan est actuellement en quarantaine pour contenir le virus.
Le nombre de personnes avec le nouveau coronavirus augmente à Wuhan en Chine. Les médecins portent un équipement de protection. Les autorités ont mis en place, ont mis en garde le risque d'expansion rapide du virus. Les deux terribles prophètes du Seigneur annonçaient que les médecins allaient contracter le virus à cause du manque d'équipement. Ce qui signifie que la maladie sera incurable. Je vois le manque d'équipement. Il n'y a pas d'équipement. Il m'a fait asseoir avec un des médecins et il m'a dit, nous n'avons pas d'équipement. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons ceci, nous le mettons là et nous faisons une culture. Melbourne, Australie a fait la première culture du mortel coronavirus. Scientifiques à Melbourne ont fait croître le nouveau coronavirus en culture cellulaire. Le virus qui croît dans les échantillons de patients fournira des données importantes pour le combattre. Ce que nous faisons, c'est d'extraire le matériel génétique du virus et nous le remettons au laboratoire d'analyse de santé publique. Dans toutes les étapes, dont ils ont un contrôle positif. Coronavirus en culture. One of our staff came in from annual leave who was particularly expert in the sequencing, sequenced till 2 a.m. when we were confident enough to put out the results. He worked on till 4 a.m. on another sequence to be sure. So it was a long night. La prophétie a fait mention du manque d'équipement pour contenir le mortel virus. Je vois un manque d'équipement. Il n'y a pas d'équipement. Il a fait asseoir un des médecins près de moi et il a dit, nous n'avons pas d'équipement. Il arrive janvier 2020, la Chine s'est pressée de construire des structures en différents lieux pour contenir des milliers de patients contaminés par le mortel virus. Bonjour, je suis Anna Cambria et vous êtes en direct sur CNN. Nous suivons la nouvelle dernière minute concernant le coronavirus. Et 8 personnes aux États-Unis ont été confirmées aujourd'hui positives au virus. Et maintenant, nous avons reçu de nouvelles informations concernant les précautions en plus du Pentagone. L'armée se prépare à mettre en quarantaine les citoyens américains qui ont été d'une certaine manière en contact avec le virus. Voici les images que les médias chinois transmettent dans tout le pays. Construction rapide, pas d'un, mais de 2 hôpitaux qui doivent être prêts la semaine prochaine avec une capacité de 2600 patients. Mais les personnes à Rouen décrivent le manque d'équipements vitaux. Cet avocat devenu citoyen journaliste à Rouen a publié en ligne les problèmes qu'il rencontre. Il manque des masques, tenues de protection, gants et la chose la plus importante, des kits pour faire des tests. Nous ne pouvons pas avoir des confirmations s'il n'y a pas de kits pour faire des tests. L'unique chose que nous pouvons faire est d'être un cas suspect et attendre à la maison. Ces images montrent le personnel médical à l'hôpital de Rouen qui font des masques et des tenues de protection avec du plastique utilisé pour des poubelles. De manière similaire, les images préoccupantes partagées sur les réseaux sociaux chinois font comprendre que le nombre de personnes contaminées est plus grand que le nombre officiel. Les conditions du médecin du personnel sont de plus en plus difficiles. Et cette épidémie est loin d'être sous contrôle. Dans un champ à l'extérieur de Wuhan, une armée de bulldozers creuse la terre. Une course contre la montre pour construire des milliers de lits pour traiter les victimes du coronavirus, dans le but de le terminer dans une semaine. Ici, l'urgence est claire. À l'intérieur de la zone de quarantaine, le personnel médical est insuffisant et ont de la peine à faire face. La capacité du virus de se répandre semble toujours être plus forte. Nous avons besoin de plus de données médicales afin d'analyser la toxicité et sa virulence. La rapide expansion de l'épidémie a porté d'autres défis.
au travail de prévention et de contrôle. Les experts ont affirmé que l'épidémie est entrée dans une phase grave et compliquée. Des centaines d'ouvriers luttent contre la montre pour construire des hôpitaux à Wuhan, la ville avec 11 millions d'habitants où est apparu la première fois le coronavirus. La Chine construit de nouveaux hôpitaux dans la bataille contre le virus à Wuhan. Et précédemment, les deux plus terribles prophètes du Seigneur ont frappé la terre. Virus Ebola, sa choquante prophétie et accomplissement. Le Seigneur a parlé d'une maladie très sévère. Qui arrive sur la terre. Je vois une forme sévère de maladie de la peau. Elle ressemble à la lèpre qui vient sur terre. C'est très effrayant car cette maladie est très contagieuse. Le Seigneur m'a fait voir ce jour futur. J'ai vu des personnes courir avec cette maladie. Si quelqu'un avait cette maladie vous salue avec les mains, alors vous aussi vous serez contaminé. Et elle croît sur le corps des personnes qui sont contaminées. Et arrive février 2014. Les journaux télévisés internationaux ont annoncé un cas sévère d'épidémie Ebola en Sierra Leone, Guinée, Libéria et Nigeria. En Afrique de l'Ouest, la plus grande épidémie d'Ebola de l'histoire, déjà annoncée hors de contrôle au Libéria, Guinée et Sierra Leone. Elle s'empire, le gouvernement a pris des mesures drastiques. L'armée dans les rues, la désinfectation des lieux publics et les écoles sont fermées. La peur d'Ebola dans les zones contaminées est tangible. Un homme en Guinée suspecté d'être contaminé a été laissé coucher sur la route. Les passants sont trop effrayés pour l'aider et les ressources médicales sont limitées. Et en Espagne, un prêtre contaminé évacué du Libéria et en isolement à l'hôpital de Madrid. L'OMS a annoncé que l'épidémie est une urgence sanitaire publique qui demande une réponse extraordinaire pour arrêter son expansion. L'annonce a été faite dans une conférence de presse à Genève. Plus de 930 personnes sont mortes. C'est la plus grande, plus sévère et plus complexe épidémie depuis 40 ans de l'histoire de cette maladie. Conditions semblables à la lèpre. Je vois une forme sévère de maladie de la peau. Elle ressemble à la lèpre qui arrive sur la terre. Et moins de 2 ans après la prophétie du mortel virus Ebola, les plus puissants prophètes du Seigneur ont frappé à nouveau la terre avec une autre sévère plaie. Virus Zika, prophétie donnée le 21 et 22 mars 2014, accomplie de manière précise en mai 2015. J'ai vu le jugement du Seigneur venir sur cette nation. J'ai vu beaucoup d'insectes me piquer dans ces maisons. Et le 22 mars 2014, à São Paulo, au Brésil, il a à nouveau parlé des millions d'insectes qu'il avait vu venir dans les maisons des Brésiliens et piquer les personnes. Et j'ai vu ce qui arrive au Brésil. Lorsque j'étais à Rio, le Seigneur m'a montré ce rêve. Il m'a amené dans les maisons des Brésiliens et ensuite beaucoup d'insectes en millions, millions et millions. Je les ai vus me piquer dans les maisons des Brésiliens. Beaucoup d'insectes, certains d'entre eux allaient en colonne large de cette manière.
J'ai vu beaucoup d'insectes me piquer au Brésil. Elles m'ont piqué. Beaucoup d'insectes. Je les ai vus me piquer. Et de manière choquante, arrive mai 2015, les paroles terribles du plus puissant prophète du Seigneur sont accomplies de manière effrayante. La transmission du virus Zika s'est répandue avec l'aide des moustiques frappant le Brésil et commençant à se répandre de manière explosive en Amérique du Sud. Entraînant la naissance de nouveaux-nés avec de petites têtes et petits cerveaux de manière normale, une condition connue comme microcéphalie. Et les journaux internationaux ont interrompu leur programme avec une nouvelle de dernière minute. Nous suivons les mises à jour sur les nouvelles de la santé. L'OMS utilise maintenant le langage préoccupant pour décrire le virus Zika. Aujourd'hui, l'organisation a communiqué que le virus se répand de manière explosive aux Amériques. Il est déjà enregistré dans différentes personnes aux États-Unis, incluant New York et Los Angeles. Margaret Chan de l'OMS a fait savoir que les pays membres disent « Le niveau d'alerte est extrêmement élevé comme le niveau d'incertitude. Les questions sont nombreuses, nous devons avoir des réponses rapidement. » Il se répand à travers un vecteur qui est un moustique, dont le moustique vous pique et vous êtes contaminé de la terrible maladie qui cause la microcéphalie, qui est un petit cerveau chez le nouveau-né. Il m'a amené dans la maison des Brésiliens. Et j'ai vu beaucoup d'insectes, des milliards d'insectes. Beaucoup d'insectes. Beaucoup dans la lumière qui me piquent. J'ai vu beaucoup d'insectes remplir vos maisons et vous piquer. J'ai beaucoup souffert dans ce rêve. Certains d'entre elles se déplacent en millions sur le mur de cette manière. J'ai vu le jugement du Seigneur venir sur cette nation. Apocalypse 11, 4, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Apocalypse 11, 6, ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Préparez le chemin, le Messie revient.